Je m'appelle Salomé Aubry, j'ai 19 ans. Mon cursus au lycée, donc j'ai commencé par 3 ans de bac professionnel en commercialisation et services en restauration. Et ensuite, j'ai enchaîné sur une année de mention complémentaire en sommellerie. Juste après ma mention complémentaire, j'ai effectué une saison en France, à Arcachon. Et là, du coup, j'enchaîne sur une saison d'hiver à l'étranger, du coup en Norvège. Grâce au lycée, durant mes 3 ans de service, j'ai fait la mention européenne sur ma première et ma terminale qui m'a permis de partir à l'étranger pendant 3 mois en Norvège. Et ensuite, avec ma mention complémentaire, j'ai effectué un voyage en Afrique du Sud. Je dirais professionnalisme et perfectionnisme. Je dirais que l'enseignement professionnel, c'est différent du général de par l'enseignement des professeurs. Les professeurs sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus derrière nous, c'est-à-dire qu'ils connaissent chacun de leurs élèves avec leur profil, etc. et qui font au cas par cas et qui font pas une généralité, même si vous avez des compétences différentes, etc. Moi, j'ai jamais été une flèche à l'école, on va pas se mentir. J'ai quand même réussi à participer à un concours et maintenant je suis dans la vie active. J'ai pris confiance en moi pleinement. Je savais ce que je voulais faire directement et je savais ce que j'aimais et je savais où je voulais aller. Donc l'enseignement professionnel, c'est tout de suite vers quoi je me suis dirigée. Et je dirais que c'est professionnel, donc vous rentrez dans la vie active un petit peu plus tôt que les autres et vous faites ce que vous aimez, donc c'est le plus important, je dirais.